Simon des Équipes Award. Sous l'égide du Saint-Esprit, le groupe international d'évangélisation Jésus revient vous invite à une grande veillée de prière ce vendredi 11 février 2022, de 21h à l'aube. Au programme, veillée de prière de délivrance, de guérison et de restauration des âmes. Cérémonie de baptême prévue le samedi 12 février 2022 à partir de 9h, suivie d'un culte d'action de grâce le dimanche 13 février à partir de 9h au temple Jésus revient situé après les pépés Awa 3. Pour plus d'informations, contactez-nous au 01 01 40 26 32 01 42 29 27 05 ou encore au 07 07 77 73 92. Peuple d'Azaki, l'heure de ta restauration a sonné. Le temps de ta délivrance est arrivé. Viens expérimenter la puissance de Dieu au nom de Jésus. Bonsoir auditrices et auditeurs de la RVA. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons cet après-midi. Eh bien, dans le cadre du salon de la RVA, nous sommes avec les membres du groupe international d'évangélisation Jésus revient. Nous allons commencer par l'apôtre Abraham. Bonsoir, apôtre. Jésus. Alléluia. Peuple d'Azagué, recevez notre shalom de là où vous êtes. Que vous soyez dans un campement, dans un village, dans un hameau, que vous soyez au service, au marché, à domicile, je déclare que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Amen. Bien-aimés, nous sommes ici à la radio La Voix d'Azagué cet après-midi afin de convier tous les habitants d'Azagué et alentour à cette grande croisade que nous organisons sous le nom de notre Seigneur Jésus-Christ ce soir même. Alléluia. À partir de 21h à l'espace le terrain EPP Awa 3, je voudrais dire que cette croisade est initiée afin d'apporter la lumière ici même dans la ville d'Azagué. Amen. Mais avant tout propos, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'aujourd'hui, je ne vous le cacherai pas, cette émission sera une émission profonde. Nous allons rentrer dans les profondeurs de la sainte doctrine, dans les mystères de la sainte doctrine. D'ordinaire, lorsqu'on nous entend parler, on nous entend parler des constituants de la sainte doctrine, des ordonnances, des règles, des préceptes et des prescriptions que le Seigneur Jésus-Christ a léguées à son épouse. Mais aujourd'hui, nous allons vous donner détail après détail, mystère après mystère. Pourquoi est-ce que le chrétien doit vivre dans la sainte doctrine et quelles sont les conséquences perverses de ceux qui vivent en dehors de la sainte doctrine? Avant tout propos, j'aimerais dédier ce moment au Seigneur Jésus-Christ et l'inviter à être l'alpha et l'oméga au nom de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, Elohim, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, toi dont le nom est l'alpha et l'oméga, nous t'invitons cet après-midi à nous conduire selon ta science, selon ta connaissance et selon ta sagesse. Père éternel, mets ta parole dans notre bouche. Fais tomber les écailles des yeux de ceux qui nous écouteront cet après-midi, afin que tous sortent de la captivité, afin que tous sortent de l'ignorance, afin que tous sortent des faux raisonnements et qu'ils viennent à la simplicité de ta parole. Seigneur Jésus-Christ, mets ta connaissance, ta puissance, ton autorité dans notre bouche, afin que tout se fasse selon ton plan. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, avant moi-même de démarrer, je voudrais laisser la parole belle à l'un des hommes de Dieu hein, qui va ouvrir le bal et ainsi de suite, chacun de nous va vous enseigner les raisons pour lesquelles il est impérieux de vivre dans la sainte doctrine et non en dehors. Alléluia. Le micro est libéré. Shalom, 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 peuple de Dieu, peuple d'Azagué, que le Seigneur Jésus vous bénisse richement. Tout à l'heure, comme le serviteur de Dieu l'a dit, bien-aimé, le Seigneur Jésus vous appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus vous appelle à revenir à lui de tout votre cœur. Le Seigneur vous appelle à abandonner le péché, d'abandonner les choses du monde et de revenir à lui véritablement. Le Seigneur dit dans le livre de 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17 que
n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. Amen. Et bien-aimé, le Seigneur Jésus, notre Dieu qui est saint, qui le dit encore dans le livre de Lévitique, chapitre 20, verset 26, car Dieu, il est saint. Alléluia. Et ceux qui doivent l'adorer aussi doivent aussi être saints. Mais bien-aimé, aujourd'hui, nous allons un petit peu parler. Gloire à Jésus. Nous allons un petit peu parler, comme le serviteur de Dieu l'a dit. Beaucoup de personnes se disent chrétiennes, mais ignorent beaucoup de choses. Et ces serviteurs, pourtant le Seigneur dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 34, que celui-là que Dieu envoie, Dieu ne lui donne point son esprit avec mesure, ne lui donne d'annoncer la parole avec, dans toute sa clarté. Lui, bien-aimé, lui aussi, ses sacrificateurs, ses pasteurs, n'enseignent pas la parole, n'enseignent pas. Pourtant, ils ont le devoir. C'est leur devoir d'enseigner la parole, mais n'enseigne pas la parole au peuple de Dieu. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu se retrouve dans des situations. Mais en dehors des pasteurs, le peuple de Dieu aussi ne prend pas la peine d'examiner les Écritures. Alléluia. Ne prend pas la peine de lire les Écritures. Pourtant, le Dieu créateur du ciel et de la terre conseille à ses enfants de prendre la peine de lire sa parole. Il le dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 34, verset 16, qui dit « Peuple de Dieu, peuple d'Azagé, consultez le livre de l'Éternel et lisez. » Alléluia. Dieu vous demande de lire sa parole. Alors si tu prends la peine de lire la parole de Dieu, tu vas connaître le conseil de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui nous allons parler des choses, oui bien-aimé, que tu ne considères pas, mais qui sont très très importantes. Oui bien-aimé. Alors je vais laisser la place et on va faire à tour de rôle et revenir. Alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, Jean 8, verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité. Amen. Et la vérité vous affranchira. Amen. Bien-aimé, si vous ne connaissez pas la vérité, vous êtes un religieux. Alléluia. Si vous ne connaissez pas la vérité, vous êtes membre d'une église et non né de nouveau. Si Amen. Vous ne connaissez pas la vérité, vous êtes des adeptes d'un gourou. Amen. Vous êtes des sectaires. Alléluia. Les gens ont tendance à croire que lorsqu'on parle des sectes, ce sont des choses qui viennent des forêts, des rivières. Quand on parle des sectes, hein, ce sont des communautés qui associent le traditionnalisme avec le culte chrétien. Amen. Bien-aimé, une secte, c'est quelqu'un... Déjà, dès l'instant où vous êtes dans l'ignorance, que vous allez à l'église, vous êtes dans une secte. Alléluia. Dès l'instant où on ne vous prêche pas la saine doctrine, la vérité, que vous allez à l'église, vous êtes dans une secte. Alléluia. Dès l'instant où vous célébrez la Noël, le 25 décembre, qui ne sont pas des fêtes chrétiennes, vous êtes dans une secte. Alléluia. Dès l'instant où vous, femme chrétienne, vous portez des pantalons, vous avez de faux cheveux, et que le pasteur ne vous avertit pas que ces choses sont un danger pour votre âme, vous êtes dans une secte. Dès l'instant où, femme chrétienne, vous mettez des boucles à vos oreilles, et le pasteur, lui qui est le garant de l'évangile, ne vous dit pas que ces choses sont un piège pour votre âme, vous êtes dans une secte. Alléluia. Dès l'instant où vous mettez des vernis, des faux ongles, des faux cils, vous êtes dans une secte. Dès l'instant où vous vous dépigmentez la peau, vous êtes dans une secte. C'est indéniable. C'est comme le matin on dit bonjour et le soir on dit bonsoir. Gloire à Jésus. Je veux ouvrir le bal. Je veux accompagner ce que l'homme de Dieu, Docteur Eli, a dit. En rentrant dans les mystères des vêtements. Communément, lorsqu'on veut évangéliser un peu partout, les gens nous disent, ah, mais vous dites que les femmes ne doivent pas porter pantalon, elles ne doivent pas mettre des collets, tout ça. Si c'est comme ça, on va rester nu. Bien-aimé, c'est de la folie que de dire ça. Je veux te rappeler que le premier styliste, modéliste au monde, Alléluia. C'est Jésus. Alléluia. Le premier couturier au monde, c'est Jésus. Alléluia. Ce n'est pas ton couturier, ce n'est pas ton styliste, modéliste. Alléluia. On le voit déjà dans les livres de Genèse 3 au verset 21. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Je vais lire rapidement. Genèse 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. Alléluia. Alléluia. Voilà ce que les Écritures disent. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. Bien-aimé, il n'est pas dit que les habits de peau que le Seigneur a revêtis à Adam et à Ève étaient des vêtements sexy, des vêtements sensuels ou des vêtements qui les dénudaient à moitié. Non. Dieu étant le Dieu de la pudeur, leur a vêti de vêtements qui étaient liés à la pudeur et à la modestie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On va se demander, mais quel est le type de vêtements que le Seigneur ou le style de vêtements que le Seigneur leur a fait porter? On le voit dans le livre de 1 Timothée 2, verset 9. Alléluia. Dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Gloire à Jésus. Il est mentionné. Le Seigneur dit, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente. Voilà. Dieu les a habillées décemment. Alléluia. Mm-hmm. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Gloire à Jésus. Voici le trois types de vêtements ou le trois types de caractère vestimentaire qu'ils ont porté.
Le Seigneur les a vêtus de vêtements de peau liés à la modestie. Alléluia. À la pudeur. À la pudeur. Et à la simplicité. Alléluia. Alléluia. Évidemment, toi qui te dis chrétien, qui aujourd'hui entend cette voix-là, la voix de la sentinelle, est habillé de façon dévergondée, est habillé à moitié nu, habillé en collant, en pantalon, en short, tu n'es pas habillé conformément à la sainte doctrine. Et laisse-moi te dire que si ton pasteur ne te l'a jamais dit, à la vérité, c'est vous, malheureusement, les sectaires. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, lorsque vous vous habillez contrairement aux commandements et aux préceptes de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que vous-même vous allez constater? Alléluia. Amen. Bon, on va parler, on va entrer, je vous ai dit tout à l'heure qu'on va rentrer dans les mystères de la sainte doctrine. D'habitude, nous parlons des préceptes et des commandements de la sainte doctrine. Bon, aujourd'hui, on va rentrer dans les mystères. Je vais prendre le cas de bon nombre de femmes qui, malheureusement, lorsqu'elles vont dans des marchés, achètent des soutiens rembourrés. La plupart des femmes le font, c'est indéniable. Hein. Quand elles vont au marché, elles vont chercher à acheter des soutiens qui vont leur donner une poitrine prépondérante, c'est-à-dire de gros seins. Alléluia. Mensonge. Alléluia. Ce qui était mensonge aux yeux de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Évidemment, pour celles qui vont porter des soutiens rembourrés, elles-mêmes vont constater qu'elles ressentent au niveau de la poitrine des douleurs à la poitrine. Alléluia. Amen. Pour d'autres, c'est des boules qui provoquent des douleurs dans la poitrine. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Lorsqu'on lit le livre d'Apocalypse 21, verset 8, il est dit que tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Ma bien-aimée, lorsque tu mets des soutiens rembourrés, ou des soutiens, hein, on va dire, on va parler hein, le langage africain, hein, ou des soutiens qui gonflent tes seins, devant Dieu, tu es une menteuse. Alléluia. Parce qu'à la vérité, ce ne sont pas tes véritables mensurations. Et lorsque tu mens devant Dieu, Dieu, qui tient plus en sa parole qu'en son grand nom, ne peut plus te défendre devant le diable. Alléluia. Et le diable, évidemment, va te frapper de toutes sortes de maladies, de douleurs. Et c'est ce qui malheureusement provoque les douleurs au sein. C'est ce qui provoque malheureusement les cancers de sein. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, et Dieu est contre ces choses-là. Si vous allez au marché, femme chrétienne, le type de soutien que vous devez porter, c'est des soutiens ordinaires, sans chiffon à l'intérieur. Alléluia. C'est des soutiens qui ne sont pas rembourrés. Ce sont des soutiens qui ne vont pas provoquer le gonflement des seins. Parce que le but derrière cela, c'est de séduire les gens. Lorsque vous, femmes, vous allez au marché, vous achetez des soutiens rembourrés, c'est de donner l'illusion à ceux qui vous regardent que vous avez de gros seins, que vous avez une poitrine généreuse. Or, vous-même, en tout état de cause, vous savez que vous n'avez pas des seins rembourrés. Pardon. Vous n'avez pas des seins ou une poitrine généreuse. Alléluia. Amen. C'est un péché devant Dieu. Et c'est pourquoi le diable, sachant la parole, connaissant la parole mieux que vous, va vous frapper de toutes sortes de maladies. On vient de citer des douleurs au sein, des boules au sein, des cancers de sein. Alléluia. Et souvent même pour certains d'entre vous, lorsque vous enfantez, vous allez constater que vous n'avez pas de lait dans le sein. Alléluia. Parce que vous avez péché contre Dieu. Évidemment, ces choses sont à proscrire et vous devez vous repentir de cela. Je vais aller plus loin. Vous qui avez des soutiens rembourrés, si vous avez un à la maison, prenez-le. Prenez ce soutien rembourré, ce soutien rempli de chiffons. Et commencez par le toucher. Commencez par toucher le soutien. Pendant que vous serez en train de toucher le soutien, vous allez constater quelque chose. Il y a quelque chose à l'intérieur. Il y a quelque chose qui ressemble à une boule. Indépendamment de la mousse, il y a à l'intérieur comme une boule. Un liquéfié. C'est comme s'il y a du liquide dans cette boule-là. Prenez l'âme, pendant que je vous parle. Prenez l'âme et fendez légèrement le soutien. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse, ma fille. Prenez l'âme et fendez légèrement le soutien. Vous allez voir à l'intérieur du soutien une forme de plastique avec un produit liquide à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, pose-toi la question à savoir pourquoi est-ce que des gens qui vendent des soutiens vont mettre un liquide dans un sachet dans le soutien. Bien-aimé, ce plastique avec le liquide que tu vois est une substance cancérigène. Amen. En d'autres termes, ce plastique avec ce liquide-là donne le cancer du sein. Et c'est pourquoi beaucoup de femmes, par ignorance, qui ont acheté des soutiens rembourrés, ont des douleurs au sein ou ont à la longue eu un cancer du sein. Bien-aimé, répands-toi de cela. Et si ta repentance est sincère, je te le dis en vérité, le Seigneur Jésus te guérira. Amen. Alléluia. Je te le dis en vérité. Ce dont nous allons te parler aujourd'hui est profond
est dur, mais c'est la vérité. Amen. Si tu veux échapper à la colère à venir, si tu veux échapper au piège de l'ennemi, mets en application ce que nous sommes en train de dire. Alléluia. Nous ne sommes pas venus te dire que tu vas voyager, non. Que tu auras un mari, non. Que tu auras l'argent, non. Que ton commerce va prospérer, non. Que tu auras des enfants. Non. Nous sommes venus te montrer le chemin étroit et resserré. Alléluia. Qui conduit au ciel. Bien-aimé, saisis-toi de cela. Saisis-toi de cela. Toi qui entends la voix de la sentinelle cet après-midi, saisis-toi de cette grâce. Parce que ce sont des choses que tu n'entendras jamais dans ton église. Jamais. Parce que tes pasteurs eux-mêmes n'ont pas le Saint-Esprit et ne peuvent pas savoir les choses cachées. Or, le livre de Deutéronome 29-29 dit que les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Amen. Nous qui marchons dans les lois de Dieu à perpétuité. Gloire à Jésus, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Ma bien-aimée, alléluia, que le Seigneur te bénisse. Tu as entendu ce que le Seigneur, le serviteur de Dieu tout à l'heure vient de dire au sujet des soutiens rembourrés et toutes ces choses. Derrière cela, il y a des concepts. Mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? L'ennemi n'a jamais créé quelque chose dans le but de te faire du bien. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut accélérer ta mort. Il veut accélérer ta mort. Laisse-moi te dire, derrière le cancer, le sein, c'est, quand tu vas aller à l'hôpital, c'est pour couper le sein. Et après avoir fini de couper le sein, les médecins vont déclarer encore que le cancer continue de te ronger. Et qu'est-ce qui va suivre? C'est la mort. Et bien aimé, un, tu vas rater le ciel, et de deux, c'est l'enfer qui va te retrouver. Bien-aimé, le Seigneur Jésus te dit maintenant, repends-toi. Le Seigneur Jésus te dit, repends-toi avant qu'il ne soit trop tard. Toi, qui te dis femme chrétienne, et que tu as des soutiens rembourrés, et que tu as des choses pour gonfler ta poitrine, le Seigneur Jésus te dit, repends-toi. Bien-aimé, repends-toi. Oui, bien-aimé, mais il ne suffit, ce n'est pas seulement les soutiens, il y a aussi des mèches. Oui, tout à l'heure, quand nous avons lu dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 9, il est mentionné que je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresse. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus dit qu'il ne veut pas de tresse. Oui, bien-aimé, il ne veut pas de tresse. C'est le même mot, tresse, qui est écrit devant les salons de coiffure. Maintenant, toi, chrétienne, oui, le Seigneur, le Dieu que tu prétends adorer, celui-là que tu dis que tu adores, il te dit que je ne veux pas de tresse, je ne veux pas de mèche sur la tête, je ne veux pas de ces choses sur toi. Et bien-aimé, toi, tu te permets et tu mets cela. Et de ce quoi, tu rentres dans la maison de Dieu avec cela. Bien-aimé, le Seigneur te dit, réponds-toi. Et regarde ce que les mèches te font. Derrière les mèches, il y a l'esprit des eaux. Oui, l'esprit de la prostitution, la séduction, il y a l'esprit des eaux qui vient encore, il y a les maris de nuit derrière les mèches. Et en plus de cela encore, les mèches eux-mêmes encore te rongent les cheveux, te bouffent les cheveux. Et regarde, plusieurs femmes, ici même à Zagué, ont la chevelure finie, bouffée. Frappées par la maladie qu'on appelle l'alopécie. L'alopécie. Qui rend les femmes chauves. Qui rend les femmes chauves. Regarde aujourd'hui, elles sont obligées de porter de ces chapeaux ou bien de ces foulards. Bien aimé, Dieu à la base ne t'a pas créé comme ça. Oui, Dieu ne t'a pas créé comme ça avec ces choses. C'est pourquoi le Seigneur Jésus te dit, repends-toi. Oui, repends-toi. Oui, par ignorance. Regarde, tu as mis ces choses sur la tête. Ces choses sur la tête, et de ce quoi tu es rentré dans l'église, et ces vampires, ces loups ravisseurs, déguisés en brebis, ne t'ont pas enseigné cela. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus te visite aujourd'hui à Zagué. Le Seigneur Jésus te dit, repends-toi, abandonne ces choses. Le Seigneur dit, oui, mon bien-aimé, mon frère, oui, ma soeur, le Seigneur te dit, repends-toi avant qu'il ne soit trop tard. Et regarde, lorsque tu mets ces mèches sur la tête, il y a une entité démoniaque qu'on appelle Méduse. Avec plusieurs serpents. Toi, tu as les réseaux sociaux. Faut taper sur les réseaux sociaux, sur Google. Tape Méduse. Il y a une entité, une déesse qui est remplie, qui a des serpents sur la tête. Bien aimé, en réalité, lorsque tu portes des mèches, c'est à cette entité démoniaque que tu ressembles. En réalité, ce n'est pas ce que tu es, ce n'est pas comme Dieu t'a créé, mais tu ressembles à cette entité. Et Dieu, qui est saint, ne peut pas venir habiter dans ce corps. Et le Seigneur Jésus te dit, repends-toi. Oui, jette tes mèches. Jette tes soutiens rembourrés. Repends-toi avant qu'il ne soit trop tard. La trompette est déjà dans la bouche. Tu ne pourras pas rentrer au ciel avec ces choses. Le Seigneur Jésus te dit, repends-toi. Alléluia. En ce qui concerne les mèches, les mèches et les faux cheveux, je voudrais ajouter ceci. Le livre de Jean 4, versets 23 à 24 dit que le moment vient, et le moment est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Esprit et vérité. Déjà, Dieu est esprit. Alléluia. Amen. Il faut que nous, ses adorateurs, l'adorons en esprit. Alléluia. Je veux dire que les mèches que vous voyez physiquement, de façon tangible sur votre tête, ont d'abord une origine spirituelle. Les mèches viennent de la mer.
Ce sont l'inspiration de Jézabel, qu'on appelle vulgairement en Afrique Mami Wata. C'est elle qui a inspiré les mèches que toi, femme chrétienne, toi, femme de pasteur, mets sur ta tête et qui espère un jour aller au ciel. Alléluia. Et tu sais pertinemment, comme moi, que les mèches se font appeler faux cheveux. Or, il est bien dit, nous avons vu tout à l'heure dans le livre d'Apocalypse 21, verset 8, que les menteurs n'hériteront point du royaume des cieux. Lorsque tu mets de faux cheveux sur ta tête, tu n'es pas en train de glorifier Dieu, mais tu es en train d'adorer le... On y est, quelqu'un nous avait dit le nom. Le trompeur, le maître de la tromperie. Amen. Alléluia. Or, le maître de la tromperie, ce n'est pas le Seigneur Jésus, c'est le diable. Lucifer. Alléluia. Regarde ce que le livre de Matthieu 5, verset 36 et Matthieu 10, verset 30 disent. Excusez-moi. Matthieu 5, verset 36. Hey, gloire à Jésus. Voilà, je lis la parole de notre Seigneur Jésus avec grand respect dans le livre de Matthieu 5, verset 36. Alléluia. Vas-y. Car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Évidemment, lorsque vous vous teignez les cheveux en noir devant Dieu, c'est un péché. Lorsque vous vous teignez les cheveux en rose, c'est un péché. En vert, c'est un péché. En rouge, c'est un péché. En bleu, c'est un péché. En jaune, c'est un péché. En couleur de feu, ma bien-aimée, c'est un péché. Oui, toi papa, toi homme, tu tiens tes cheveux, tu mets des yomos sur la tête. Laisse-moi te dire, toi vieillard, toi maman, toi tu mets des yomos sur ta tête. Laisse-moi te dire que c'est un péché devant le Seigneur. Le Seigneur n'aime pas. Toi jeune fille, tu tiens tes cheveux. Le Seigneur te dit que repends-toi car c'est un péché. Repends-toi. Gloire à Jésus. Prenons le livre de Matthieu 10, verset 30. Sur les cheveux. Parce que le plus souvent quand on parle, les gens disent, est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est biblique? Aujourd'hui, tu vas entendre les versets qui te condamne. Or, le Seigneur n'est pas venu pour te condamner, mais pour te disculper, alléluia, pour te donner la grâce d'avoir le salut éternel. Alléluia. Or, malheureusement, en agissant, non pas selon la volonté de Dieu, mais selon ta propre volonté, tu te mets à dos la condamnation divine. Or, le Seigneur ne veut pas te condamner, mon bien-aimé. Matthieu chapitre 10, verset 30. Alléluia. Il est écrit, je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Eux-mêmes, les cheveux de vos têtes sont tous comptés. Alléluia. Et même que les cheveux de votre tête sont tous comptés. Bien aimé, lorsque tu ajoutes ce que vous appelez vous-même femme, des rajouts, c'est ce que le Seigneur les a compté. Extensions. Les extensions. C'est le Seigneur qui les a étendues. Lorsque tu mets des perruques sur ta tête, c'est le Seigneur qui les a mis sur ta tête. Il n'y a pas que les mèches et les perruques et les extensions. Il y a aussi les perles. Amen. Prenons, gardons toujours le même livre de 1 Timothée 2, verset 9. Verset 9. Femme chrétienne, lorsque tu mets des perles aux cheveux de ta fille, lorsque toi-même, tu mets des perles, des pompons, fils nylon. Oui, des nylons. Évidemment, tu attires l'esprit, il a dit tout à l'heure, l'esprit de Méduse. Alléluia. L'esprit de Jézabel, en fait, qui sont des esprits de Python. Et c'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, vous avez souvent mal à la tête. Vous Amen. Vous tapez la tête comme Amen. Ça. La tête vous démange. Parce que spirituellement, ces serpents que vous avez mis sur la tête vous piquent la tête. Et vous allez constater que les femmes qui mettent des mèches, statistiquement, sont moins intelligentes que les femmes qui ont gardé leurs cheveux Alléluia. Naturels. Allez, dans tous les établissements scolaires, les enseignants, les professeurs, les fondateurs d'établissements scolaires le savent. Mais toi, enfant de Dieu, tu ne le sais pas. Toi, pasteur, qui laisse ta fille, ta femme, les brebis du Seigneur Jésus mettre des mèches sur la tête, le Seigneur Jésus te demandera des comptes. Répands-toi. Répands-toi. Alléluia. Il est dit malheur à ces bergers qui tiennent la vérité en captivité. Amen. Malheur à toi, berger. Amen. Qui sait ces choses et qui dit qu'on peut utiliser le sang de Jésus pour pouvoir les sanctifier. Bien-aimé, sais-tu Matthieu 5, verset 20. Bien-aimé, tu es en train de te tromper, tu fais fausse route. On ne peut pas utiliser le sang de Jésus pour des choses qui sont liées à la malédiction ou qui sont des abominations. Alléluia. Alléluia. Et ce sont ces choses-là. Bien-aimé, je vais terminer et je vais chuter et laisser la part, laisser l'homme de Dieu, Jacques, continuer. Je vais vous rappeler quelque chose d'incroyable que vous ne savez pas. Les cheveux de la femme sont sa gloire. Alléluia. Nous n'arrêterons pas de le dire. Les cheveux de la femme sont sa gloire. Ce ne sont pas ses mèches. Ce ne sont pas sa perruque. Ce ne sont pas ses perles. Alléluia. Les cheveux de la femme sont sa gloire. C'est pourquoi il faut le savoir. Comme dans le livre de conjugaison Becherel. Lorsque deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Aussi, lorsque deux gloires se suivent, la plus petite se soumet à la plus grande. Alléluia. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la femme avec sa gloire, toutes les fois où elle est dans la présence de Dieu, Alléluia. Doit se couvrir Alléluia. La tête.
Amen. C'est un signe de respect, c'est un signe de crainte, c'est un signe de soumission à l'égard de Dieu, à l'égard de son mari. Alléluia. Évidemment, le diable, sachant, connaissant bien la parole, mieux que toi, mieux que ton pasteur, va créer avec, évidemment, avec l'instigation de Jézabel et de Méduse, les mèches. Dans quel but? L'homme de Dieu, docteur, il a dit tout à l'heure, le diable, lorsqu'il crée des produits dérivés ou des imitations à ce qui ressemble au corps humain, ou de produits au corps humain, c'est ça. Le diable ne va pas chercher en fabriquant les mèches, en fabriquant les vernis, en fabriquant des produits de dépigmentation. Le diable n'est pas là pour embellir le corps humain. Non, il répugne l'être humain. Alléluia. Et la personne qui l'a en aversion, c'est les chrétiens. Alléluia. C'est les saints. Alléluia. Il se fout pas mal des religieux. Il n'a que faire des religions. Ceux qui gardent les commandements de Jésus-Christ, il a en aversion les saints. Et il a créé ces choses-là pour leur voler leurs biens. C'est pourquoi d'ailleurs le livre de Jean 10:10 dit que le voleur ne vient que pour voler, pour dérober et pour égorger. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Lorsque le diable crée les mèches que vous, femmes, vous mettez sur votre tête, gloire à Jésus, le but du diable ici, c'est quoi? Comme il sait que vos cheveux sont vos gloires, il va créer les mèches dans le but de voler votre gloire. Dans le monde occulte, tous les satanistes le savent. D'ailleurs, même, je vais vous donner la plus belle image de du vol de la gloire des enfants de Dieu. Lorsqu'un enfant naît et que vous organisez, par exemple, un agapé ou une sortie à l'honneur de l'enfant, vous allez voir que certaines personnes dans votre famille ou dans votre entourage vont venir caresser, on peut filmer ça, vont venir caresser, on peut même zoomer, vont venir caresser la tête de l'enfant. Mais ici, ils vont vous donner l'impression qu'ils sont en train d'apprécier l'enfant. Oh, l'enfant est beau, il est mignon. Oui. Mais non, regardez ce qu'ils font. Oh, l'enfant est beau, l'enfant est mignon. Oh, l'enfant, il est mignon, il ressemble à son père, il ressemble à sa mère. Le geste qu'ils font, ils sont en train de voler votre gloire. Alléluia. Mais comme tous les agents de Satan ne peuvent pas venir voler la gloire des enfants de Dieu, qu'est-ce que Satan a fait? Avec Jézabel et Méduse, ils ont créé des mèches. Ils ont créé simplement des mèches. Oh, enfant de Dieu, j'ai mal pour toi. Femme chrétienne, j'ai mal pour toi qui ignore ces choses-là. Et lorsque tu vas, par convoitise des regards et du cœur, acheter des mèches et que tu les mets sur ta tête, la première des choses que l'ennemi fera, c'est de voler ta gloire. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Et vous dites que nous sommes des satanistes. Et vous dites que nous, on est des menteurs. Vous dites que nous, on fait du vaudou chrétien. Dis-moi, ton pasteur qui nous accuse, est-ce qu'il t'a déjà pressé ces choses-là? Combien de femmes qui, dans la maladie grave, n'ont pas eu les mèches en train de pourrir et se transformer en asticots sur leur tête? Ça, on a besoin même d'avoir le Saint-Esprit pour le savoir. Même que la nature vous enseigne, vous le savez, vous-même qui êtes les femmes chrétiennes, les mèches que vous mettez sur votre tête, un moment, est-ce que ça n'a pas une odeur pestilentielle? Un moment, est-ce que l'odeur même ne vous gêne pas? Ça ne pue pas le cadavre? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, je vous en prie, répentez-vous et détruisez ces choses-là. Rasez même vos cheveux, défrisez. Alléluia. Alléluia. Je veux chuter par là. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas que les femmes. Il n'y a pas que les femmes dans cette situation. Alléluia. Mais avant de pouvoir regarder l'autre champ, je pense qu'il y a un additif que je vais faire. Alléluia. Vous, les femmes qui allez chercher des produits pour grossir vos fesses, vous qui allez chercher des produits pour grossir vos seins, vous qui allez chercher des produits pour changer la nature de votre peau, la couleur de votre peau, vous êtes en abomination à l'Éternel. Alléluia. Et ce qui est terrible, c'est que tu portes la preuve. Sur toi-même, tu portes la preuve de ton mensonge et tu portes la preuve de ce que, lorsque le diable t'accuse devant l'Éternel, l'Éternel constate. Sais-tu que lorsque Sodome et Gomorrhe avaient tellement posé les actes abominables, l'Éternel, quoique il sait toute chose, a fait descendre deux anges pour venir constater de visu. Toi aussi, les anges te rencontrent dans la rue. Parce que ne laisse pas l'abomination dormir à ta porte. Bien aimé, c'est pourquoi tu vas te rendre compte que ce que le Seigneur Jésus est venu faire pour toi, c'est pour te donner véritablement. Alléluia. Regardons par exemple dans le livre de Ésaïe 61. Ésaïe chapitre 61. À partir du verset. Ésaïe chapitre 61, verset 1 dit: L'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. L'Éternel. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Amen. Aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer une aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. C'est ça jusqu'au verset 3. Pour publier
une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin que les appels des térébintes de la justice, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Bien-aimé, tu vois ce que le Seigneur Jésus est venu faire pour toi est tellement grand. Il est venu pour t'annoncer une année de grâce. Il ne veut pas que tu demeures dans la souffrance et dans la situation dans laquelle tu es. Et il ne t'a pas fait venir sur terre pour que tu meures. Et que tu meurs en plus de la plus mauvaise des manières. Bien-aimé, la réalité spirituelle te fait comprendre ceci. Toi, homme, qui t'en vas chercher des produits afin de changer la taille de ton sexe, afin de changer, pour pouvoir atteindre quelle performance, reniant ainsi et disant à l'Éternel que toi, tu ne sais pas créer l'homme. Alléluia. Regarde ce sexe que tu m'as donné. Je ne le trouve pas correct. Toi qui passes ton temps à poursuivre les aphrodisiaques, écoute ceci. Tu n'as simplement qu'à venir à Jésus-Christ. Si celui qui t'a créé, si celui qui t'a donné le souffle de vie, est-ce que tu imagines s'il te demande simplement la facture d'une seule journée? La facture, va en clinique. Tu vas voir ceux qui ont mis le max par oxygène. Tu vas voir la facture par jour. Mais si le Seigneur te demande la facture de l'oxygène que tu respires tous les jours, est-ce que tu peux payer la demi-journée seulement? Donc celui qui fait ça, qui est le Dieu Tout-Puissant, ne penses-tu pas que si tu as un handicap, le Seigneur peut corriger ton handicap? Alléluia. Mais mieux, le Seigneur, si tu t'attaches à lui, va te conduire à ta pointure selon la femme qu'il te faut. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Mais comme tu ne le demandes pas au Seigneur, et comme tu fais toutes choses selon ton raisonnement, voilà pourquoi tu te perds. Et tu vas voir que quand tu vas finir par utiliser ces produits-là, quand tu n'auras plus de femme, tu seras tenté d'aller maintenant vers les animaux. Et plusieurs couchent avec les animaux. Et plusieurs maintenant violent. Parce que après, tu es peut-être laissé séduire par les choses que tu as regardées dans les films pornographiques, qui t'ont attiré dans la mauvaise prise de conscience de vouloir changer la nature, la taille de tout ce que tu as comme organe sexuel. Quand tu ne vas plus trouver de femme, te voici maintenant animé par un autre esprit de perversité. Et le diable maintenant, sachant que tu es sur le chemin de la mort, va pas faire autre chose que d'amplifier cela. C'est pourquoi, quand tu vas voir que tu n'écoutes pas les conseils de l'Éternel, mais c'est la porte ouverte à la mort. Il est écrit dans le livre de Lévitique 16, Lévitique 18, à partir du verset 17 jusqu'à 22. Et je vais te le lire pour que tu puisses te souvenir de ce que le Seigneur a prévu toutes choses. Alléluia. Vas-y. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Alléluia. Quand tu es plusieurs, vont commencer à courtiser des femmes. Sortir avec la mère, sortir avec la fille. Repends-toi. Coucher avec la mère, coucher avec la fille. Repends-toi. C'est une abomination. Et ses amis vont le saluer. Mais toi, tu es un dieu, hein? Mais toi, tu es un garçon, hein? Mais toi, tu es terrible. Il n'est pas terrible. Il n'est rien d'autre qu'en train de faire la volonté des esprits malins, démoniaques, de la perversité, et de lui-même présenter toutes les preuves devant le Seigneur pour qu'il s'auto-condamne à la grande joie de Lucifer. Mmh. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire, justement. Tu ne prendras point la fille de ton fils. Amen. Tu ne prendras point la fille de ton fils. On connaît ce qu'on appelle, ce qui se font appeler Mahomet chez les musulmans, qui a pris la fille de son fils en mariage. Est-ce que tu vois? Et toi, tu es assis dans l'islam. On va avoir le temps de venir vers toi. Mais il faut que tu sortes de ces choses. Tu ne prendras point la fille de ton fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parents. C'est un crime. La Bible dit que c'est un crime. Alléluia. Amen. Tu ne prendras point la sœur de ta femme. Alléluia. Tu ne prendras point la sœur de ta femme. Lévitique 18, verset 18.
pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Donc toi qui es sorti et qui as couché avec la sœur de ta femme, repentance. Repends-toi maintenant. Repentance. Il y a une malédiction derrière. Il y a une malédiction derrière. Et tu vas voir que à la base, les aphrodisiaques t'ont tellement surexcité que ne trouvant personne, la pauvre petite sœur, nièce qui était venue pour aider à la tâche à la maison, finalement tu as déversé ton dévolu sur elle et voilà maintenant que le diable t'a fait pécher. Mais le Seigneur ne te condamne pas. Il y a encore une occasion, une chance pour toi. Alléluia. Quand tu regardes encore dans le livre de Lévitique, toujours 18 au verset 19, tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Toi qui couches, même si c'est ta propre femme, pendant qu'elle a encore les menstrues, parce que tu ne peux pas te contenir, parce que tu ne peux pas te retenir, tu t'en vas coucher avec elle pendant qu'elle a ses saignements. Écoute bien, ce que tu es en train de faire est une abomination à l'Éternel. Parce que le sang, l'acte du sang que tu es en train de toucher, le Seigneur t'interdit de le faire. Mais pourquoi? Parce que le sang, à l'intérieur du sang, comme le dit le livre de Lévitique 17, à partir de verset 5, 6 et suivant, l'âme de toute chair se trouve dans le sang. Et même voilà maintenant que toi, quelle est donc cette pratique? Oh, tu te souviens que tu dois honorer le mariage et le lit conjugal. Mais donc, quelle est donc cette pratique que tu viens d'ajouter dans le saignement menstruel de ton épouse? Fais attention à toi et répands-toi. Écoute, dans le livre de Lévitique 18 au verset 20, tu n'auras point comme... tu n'auras point commerce avec la femme, de ton prochain pour te souiller avec elle. En d'autres termes, tu ne peux pas aller chez la prostituée. Et la prostituée ne peut pas se permettre de faire ce qu'elle fait comme commerce. Alléluia. Toi, jeune fille, tu es sous le prétexte de ce que tes parents t'ont pas donné l'argent, de ce que tu es une jeune élève, de ce que tu as besoin de je ne sais pas quoi. Et sous le prétexte de cela, même si tu ne vas pas ouvrir une chambre où tu appelles les clients, mais le fait qu'aujourd'hui, tu sors avec Yahoo, tu sors avec Kwaku, tu sors avec Paul, tout ça pour recevoir un peu d'argent pour manger, c'est de la prostitution. Jeune sœur, bien-aimée, il faut que tu arrêtes ces choses. Parce que le Seigneur te dit, s'il prend soin des animaux qui n'ont même pas de plantation, même tous les jours qu'ils mangent à leur faim, à plus forte raison toi. Alléluia. Amen. Dans le livre de Lévitique 18 au verset 21, tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. Et tu ne proféreras point le nom de ton Dieu, car je suis l'Éternel. Donc, toi qui jettes les sortilèges, nous allons arriver à toi. Parce que tu sais, tu dis, mais comment je vais jeter les sortilèges? Quand tu mets les fossiles, si tu ne le sais pas, dors avec. Tu es déjà rentré dans la sorcellerie inconsciente. Alléluia. Si tu commences à prendre tes colères et de dormir avec tes colères, tu es déjà rentré dans la sorcellerie inconsciente. Et quand tu vas rentrer dans la sorcellerie inconsciente, comment tu vas livrer ton propre fils? Par l'injure que tu vas donner. Bien sûr. Regarde-moi ce chien-là. Comment moi je t'envoie et tu t'en vas faire ça? Mais laisse cette injure que tu as dit chien. Automatiquement, les démons étant présents, les démons vont être attirés par ça comme le miel qui attire les fourmis. Automatiquement, ils vont envoyer l'esprit de chien à cet enfant. Et plus tard, quand cet enfant maintenant sera en train de se comporter comme le chien dans la maison, tu vas trouver maintenant que l'enfant, il est difficile. Pourtant, c'est toi qui as prophétisé ça de ta bouche. Et maintenant, toi, homme, tu ne coucheras point avec une bête. De même qu'une femme ne couchera point avec une bête pour se souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer avec elle. C'est une confusion. Maintenant, toi, homme, tu sais que tu ne dois pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme. Et vous formez un groupe international LGBTQ où vous vous mettez là-dedans les lesbiennes, les hétéros, les transsexuels, les bisexuels, les pédophiles. Vous vous mettez dans une association honteuse que vous appelez LGBTQ. Et vous, le diable vous finance et vous osez attaquer les lois des pays pour pouvoir vous faire reconnaître. Mm-hmm. Et il y a des églises qui se préparent à célébrer vous comme ça, vos mariages. Et c'est une abomination. Bien-aimé, regardez comment est-ce que le monde va mal.
Aujourd'hui, on va sur la Lune. Aujourd'hui, on peut aller même envoyer des satellites autour du Soleil. Mm-hmm. Mais regardez le comportement des gens. Et vous dites que vous évoluez. Le Seigneur est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il dit, vivez et approchez-vous de lui dans la sainteté et dans la simplicité. Alléluia. Alléluia. Jean-Jacques. Alléluia. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, comme l'a dit le serviteur de Dieu, recherchez la sainteté. Alléluia. Et bien évidemment, il faut dire que beaucoup d'enfants de Dieu, comme toi, vraiment vous vous retrouvez aujourd'hui dans différentes églises qui ne confessent pas Jésus réellement. Alléluia. Et comme il est dit dans le livre de 2 Pierre 2, verset 19, qu'ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves du péché. Alléluia. Bien évidemment, il faut dire que beaucoup de pasteurs, beaucoup de soi-disant hommes de Dieu ne disent point la vérité aux fidèles. Ils ne leur disent pas la vérité et ils leur cachent la vérité. Pourquoi? Parce que s'ils leur disaient la vérité, ces églises se videraient automatiquement. Alléluia. Parce que la vérité libère, la vérité transforme, mais la vérité déchire. Alléluia. La vérité est comme un feu. Et lorsque cette vérité entre dans le cœur d'une personne dont le cœur est endurci, est rempli d'obscurité, cette vérité-là qui est comme un feu apporte la lumière. Et ça fait vraiment très, 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 très mal à celui qui reçoit cette lumière. Alléluia. Et donc, beaucoup de personnes cachent la vérité aux enfants de Dieu. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont malheureusement sous le joug du péché, étant esclaves, puisqu'il a dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et pour rattraper, pour retrouver ce que l'apôtre Abraham disait en ce qui concerne les conséquences de tout ce dont les enfants de Dieu utilisent, et malheureusement, on va encore parler de la dépigmentation. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu veulent changer la couleur de leur peau. Et dit à Dieu, mais pourquoi est-ce que tu m'as créé ainsi? Moi, je devais être bleu. Et toi, tu m'as créé noir. Je devais être rouge. Mais toi, tu m'as créé blanc. Mais pourquoi est-ce que tu m'as donné cette peau? Quand on prend le livre de Jérémie 13, verset 23, il est dit que un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Alléluia. Bien évidemment, il est tout à fait compréhensif de comprendre, de voir qu'un Éthiopien ne peut pas changer sa peau. Tel qu'il a été créé tout noir. Noir comme la peau d'ébène. L'Éthiopien, c'est l'Africain. Alléluia. Un Éthiopien noir. Un Africain noir. Mais il ne peut pas dire qu'il va changer sa race de noir pour devenir un blanc. Non, c'est impossible. La couleur de sa peau. On va digresser un peu en disant, est-ce qu'on a déjà vu un tigre aller au marché et acheter du sunshine? Voilà. On a déjà vu un zèbre. Aller au marché dans un magasin de produits cosmétiques. Même une souris. Pour acheter du H24. Acheter du H24 pour dire, écoutez, je suis fatigué de ma peau zébrée. Justement. Or, les animaux ont l'esprit animal. Voilà. Mais nous qui avons l'esprit de Dieu, voilà, nous avons la prétention, est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Ça me rappelle parce que dans les souris domestiques même qui se promènent, il y a des souris noires et il y a des souris blanches. Imaginez qu'une souris blanche... Un cafard noir ou bien qui dit, mais toi, ton thème est plein. Écoute, alors que Mais c'est une abomination. Ça n'a pas de sens. Même les animaux ne font pas ça. C'est sept ans comme moi. Alléluia. Le livre d'Amos, je voudrais terminer. Le livre d'Amos 6, verset 12 dit, est-ce que les chevaux courent sur un rocher et est-ce qu'on y laboure avec des bœufs pour que vous ayez changé la droiture en poison et le fruit de la justice en absinthe? Voilà ce que le Seigneur nous demande. Voilà ce qu'il demande, mon bien-aimé. Est-ce que les chevaux courent sur des rochers pour vous qui avez changé la droiture en poison et la justice en absinthe? On est sidéré souvent de voir des femmes qui ont malheureusement, par ignorance, ont détruit leur teint, dire à des femmes naturelles, mais pourquoi est-ce que tu as arrêté de te dépigmenter la peau? C'est comme si on te demande, pourquoi est-ce que tu refuses d'aller en enfer? À un moment, toi et moi, on allait en enfer. Pourquoi maintenant tu ne vas plus en enfer avec moi? À la vérité, c'est ça, là, c'est ce que ça veut dire. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Effectivement, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Gloire à Jésus. C'est vraiment, ça tombe sous son sens. Tu peux continuer. Alléluia. Et pour continuer, lorsqu'on prend le livre de Luc 8, verset 10, il est dit que, il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Alléluia. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. Afin qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Et il faut dire que malheureusement, beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu sont encore aveuglés. Étant dans ces églises-là,
beaucoup de pasteurs, beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux enseignants sont encore aveuglés. Et lorsqu'on leur parle, vraiment ils disent non, ce n'est pas la vérité. Dieu ne regarde pas le corps, mais regarde le cœur. Et lorsqu'ils lisent, ils ne comprennent point. Pourquoi? Parce que leur cœur est déjà endurci. Puisque la vérité n'est pas entrée, la lumière n'est pas entrée, alors ils demeurent dans les ténèbres. Alléluia. Alors toi encore qui te dépigmente la peau, je veux te dire, regarde ce que la pommade fait à ton corps. Regarde, la pommade laisse des croûtes. Au début, quand tu utilises la pommade, ça te donne au moins deux couleurs. Et donc, et puisque tu deviens esclave de la pommade qui a triomphé de toi, à cause, étant épris par le péché, voilà. Et du coup, voici que la pommade commence à faire des effets sur ton corps. Voilà, tu deviens d'un côté bleu, d'un autre côté noir, vert ou noir. Et voilà encore, tu veux encore accentuer, essayer de régler un peu le contraste un peu de ton corps. Voilà, tu vas encore prendre encore d'autres pommades, d'autres produits, d'autres huiles. Oui, ma copine, viens prendre ça là, ça c'est bon. Quand tu vas être fort, renfort. Voilà, ça va donner, regardez, ça voilà. Donne le corps. Ça va uniformiser tes, voilà. les gras de tes doigts, de tes coudes, de ton genou, voilà. De ta cheville. Et lorsque tu utilises, au fur et à mesure, tu deviens blanc. Jusqu'à un moment donné, lorsque tu es fatigué, que tu veux arrêter, tu ne peux plus. Tu ne peux plus arrêter parce que si tu arrêtes, mais regarde, quand tu prends ta photo du début jusqu'à aujourd'hui, tu vois qu'il y a une très grande différence. La photo de avant, au primaire, tu étais noir. Mais regarde, lycée, aujourd'hui, tu es devenu toute blanche. Mensonge. Mais regarde, lorsque tu vas arrêter, regarde l'image. Les gens vont dire quoi? Oh oui, déjà, c'était pas son teint. Oh oui, c'est tchatcho. Et puis voilà la honte. Elle s'est dépigmentée la peau. Tu as déjà commencé à faire ce que tu ne devais pas faire. Alléluia. Et regarde les effets négatifs. Comment est-ce que ta peau, tu perds. La mélanine. Hein. La mélanine, oui, de ta peau. Mm-hmm. Alléluia. Et la peau devient fragile. Fragile. Même une simple feuille te touche, ça te déchire, ça te blesse. La peau devient toute rouge. On voit presque les nerfs partout sur le corps. Des vergetures partout et tout ça. Regarde, des croûtes même qui sortent sur le cou et tout ça, sur le front et tout ça. Lorsque les rayons solaires commencent à te taper, c'est fini, tu ne peux plus supporter. Regarde l'odeur. Lorsque tu passes, regarde, tu dégages l'odeur. Tu ne veux pas savoir, mais tu dégages l'odeur. Pourquoi? Parce que de ces produits-là viennent du monde des ténèbres. Ces produits qui ont été fabriqués dans le monde des cimetières. Regardez, ça sent l'odeur de la mort. Ça sent l'odeur des cimetières. Et donc toi, tu te mets dans des endroits et tu passes, tu sens bon pour toi, ça va et tout va bien. Mais regarde, tu fais du mal à ton âme. Tu fais du mal à ton âme. Tout à l'heure, l'homme de Dieu, Jacques, le pasteur Jacques, il disait qu'il parlait des cils, des faux cils. Regardez, aujourd'hui, beaucoup de femmes utilisent des faux cils. Regarde ce que ça fait. Ça enlève presque les cils naturels que le Seigneur a mis sous vos yeux. Regarde, à cause des faux cils, lorsque vous mettez de la colle, ça arrache les cils naturels. Ça les arrache. Le jour que vous enlevez vos faux cils, tous les cils naturels sont tous arrachés. Tout à fait. Et puis vous n'avez rien maintenant sur les yeux. Vous êtes méconnaissable. Regardez ce que vous faites. En plus de ça, même en parlant de mèches et tout ça, pour rattraper un peu ce que le docteur Elie disait, hein, en plus de cela, il y a le cancer de cerveau. Le cancer de cerveau. Regardez le rouge à lèvres. Hein? Il y a le cancer même de lèvres. On voit que souvent, il y a des femmes qui sont atteintes de maladies dont les lèvres commencent à rougir. Il y a des plaies. Mais... regardez les effets que ça fait. Alléluia. Et donc, vous faites du mal à votre âme. Or, il est écrit que la Bible déclare que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruit. Alléluia. Et encore pour mon chéri, pour ajouter encore, les rouges à lèvres que toi, femme chrétienne, tu mets sur les lèvres. Dis-moi, lorsque tu manges la nourriture, où est-ce que ça va? Dans tes entrailles. Lorsque tu bois de l'eau, où est-ce que ça va? Dans tes entrailles. Et derrière ces rouges à lèvres, c'est ce qui te donne les problèmes de cancer, des fibromes, des kystes, et toutes ces maladies, tous ces bobos. Y compris les produits cosmétiques. Les produits cosmétiques, tout ce que tu prends, ça rentre dans tes entrailles. Et ça te donne tous les problèmes. Mmh. Alors, qu'est-ce que tu vas trouver comme solution? Le médecin ne peut pas guérir cela. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur envoie des hommes, envoie maintenant la trompette sonner. Bien-aimé, regarde ce que le Seigneur dit encore dans le livre de Jérémie, avant que tu ne continues. Jérémie, chapitre 18, verset 2. Bien-aimé, tu peux lire ça, s'il te plaît. Jérémie 18, verset 2. Toi, tu nous entends, tu peux prendre encore. Regarde ce que le Seigneur dit au sujet du potier. Oui. Lève-toi. Le Seigneur dit, lève-toi. Et descends dans la maison du potier. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Là, Dieu va te faire entendre ses paroles.
Oui. Je descendais dans la maison du potier. Alors quand lorsque Jérémie est descendu dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tour. Et il travaillait sur un tour, oui. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Oui. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Oui. Il en refit un autre vase. Tel qu'il trouva bon de le faire. Oui. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Oui. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, mais je peux faire. Dieu, je pouvais faire ça comme ça. Je pouvais, il suffisait seulement de changer les choses, mais je ne l'ai pas fait. Mais toi, tu te permets de dire au potier, oh potier, tu ne m'as pas bien créé. Alors donc, regarde, toi, tu as créé l'autre de telle manière, et moi, tu m'as créé de telle manière. Non, moi, je ne vais pas ressembler à la manière que tu m'as créé. Donc, moi, je vais aller tout simplement ressembler à l'autre. Et tu vas te dépigmenter. Tu vas rendre tes lèvres tout rouges. Bien aimé, Dieu, c'est Dieu, le Créateur, lui qui a pris son temps, qui a créé tout l'univers. Tu ne vas pas me dire que Dieu n'a pas pu, il ne pouvait pas prendre la peine de mettre tes lèvres tout rouges. Il pouvait le faire. Bien sûr. Il pouvait le faire. Mais il ne l'a pas fait. Et toi, tu lui donnes des leçons. Alors le Seigneur te dit dans sa parole que malheur à celui qui conteste avec son Créateur. Laisse-moi te dire, lorsque tu mets des mèches, lorsque tu mets des fossiles, tu mets des faux ongles, que tu mets des vernis à ongles, tu mets le parfum sur toi. Laisse-moi te dire tout simplement que tu contestes avec Dieu. Tu contestes avec le Créateur. Et laisse-moi te dire, si le pasteur te laisse rentrer, oui, dans une maison qui est appelée la maison de Dieu, bien-aimé, laisse-moi te dire que ce pasteur aussi, il est rebelle à la parole de Dieu. Et laisse-moi te dire que c'est ça que Dieu appelle une secte. Alléluia. Bien-aimé, et le Seigneur vous appelle à la repentance. Alléluia. Et il faut rappeler que malheureusement, celles qui sont faites abuser par les ornements en ce qui concerne les boucles d'oreilles, regardez un peu. Les boucles d'oreilles, ce que ça fait aux oreilles de ces femmes. Regardez, lorsqu'elles mettent des pendants d'oreilles, regardez, ça laisse de gros trous. Amen. Ça reste de gros trous. Au début, à la naissance, ce sont juste des petits trous. Mais lorsqu'elles commencent à grandir, et au fur et à mesure, ça laisse mais de bien, gros trous. Mais bien, il faut préciser. Il ne faut pas dire que à la naissance, parce que c'est pour dire, à la naissance, si Dieu a voulu que tu aies des bouts d'oreilles, tes oreilles, il allait percer cela. Oui. Mais il ne l'a pas percé. Étant aveuglé, je veux dire. Alléluia, étant aveuglé, oui, ne sachant pas. Et ne connaissant pas la lumière, alléluia. Voilà justement. Donc, dès le bas âge, on fait percer, on perce à l'oreille de l'enfant, alléluia. Oui. Et jusqu'à ce que l'enfant grandisse, et après, au fur et à mesure que l'enfant commence à utiliser ses boucles d'oreilles, l'oreille commence à grandir et à des trous. Et par derrière, ce qui est caché derrière, ce sont des esprits. Spirituellement, ce sont des caméras, alléluia, que les sorciers utilisent. Alléluia. Et pour parler aussi. Des chaînes, même ce qu'on appelle les bayas. Amen. Les bayas, les femmes ne savent pas que... Les perles, parce que les bayas, c'est un langage que vous voilà, justement, voilà. Des perles oranges et tout ça. Voilà, qu'on appelle les chaînes oreilles. Voilà, sur lesquelles il y a des perles. Alléluia. Alors, spirituellement, dans ces perles-là, ce sont des serpents. Ce sont des serpents qui sont à la taille de ces femmes. Et justement, voilà pourquoi le livre de Éphésiens 4, à partir du verset 2, dit ceci. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc ce que nous sommes en train de te dire, c'est pour te faire passer du vieil homme qui était mal en point, rempli de convoitise, de la chair, d'ignorance, à ce que tu passes maintenant à l'homme né de nouveau, alléluia, au nom de Jésus, transformé entièrement pour que tu puisses mériter le royaume des cieux. C'est pourquoi, dans la suite de ce chapitre, il est écrit ceci. C'est pourquoi renoncez aux mensonges, alléluia, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Plus grave, regardez, toi tu n'avais pas de colère avant. Mais depuis que tu as commencé à mettre ces choses sur toi, tu n'as pas remarqué que tu commences à t'énerver de plus en plus. L'orgueil d'abord. Tu n'as pas commencé que tu es devenu orgueilleuse. Ouais. Toi tu es devenu orgueilleux. Toi qui portes les chaussures pointinini, tu es devenu orgueilleux. Mm-hmm. Toi qui cherches les ceintures à la dernière mode, les jeans, à la dernière mode, les choses qui sont en abomination à l'Éternel. Tu ne vois pas que parce que ton orgueil en toi maintenant est rentré en plus de l'orgueil une colère. Maintenant, regarde. C'est là où le diable va te faire entrer subtilement sans que tu ne t'en rendes compte
dans la, par la colère, dans le monde maintenant diabolique, et que tu seras piégé. C'est pourquoi il est écrit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Sur la colère là, automatiquement tu rentres dans le monde des ténèbres, parce que tu as boudé ton mari, tu as boudé ta femme, tu as boudé ton frère et ta soeur, toi qui es à la maison, on t'envoie qui murmure. Automatiquement, tu vas devenir un agent des ténèbres, le nouveau sorcier de la famille. Est-ce que cette situation va te faire? C'est pourquoi abandonne ces choses, examine ta voie et reviens à l'Éternel. C'est pourquoi nous t'invitons ce soir. Alléluia. Ne rate pas cet événement. Alléluia. À partir de 21h. Alléluia. Sur le terrain de, je vais laisser le docteur Elie donner le détail, sur le terrain de... Voilà, je vais dire que j'indique le lieu où on continue. Oui. D'accord. Ok, je veux, avant de donner l'adresse où aura lieu la veillée, je veux rappeler quelque chose d'aussi profond que les différents sujets que nous avons évoqués. C'est les parfums. Bon nombre d'enfants de Dieu, malheureusement, mettent des parfums et ne savent pas l'effet que cela a sur leur âme. Amen. Je veux te poser cette question cet après-midi. Lorsque tu mets des parfums sur toi, est-ce que tu as idée des conséquences que cela a sur ton âme, mon bien-aimé? Et évidemment, tu me diras non. Puisque toi, lorsque tu fais ces choses, évidemment, c'est pour embellir ton corps, c'est pour que ton corps sente bon, pour que tu aies une odeur agréable autour de toi. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que les pièges du diable qui conduisent en enfer ont une beauté qui édifie. Oui. Alléluia, c'est comme la mine d'une prostituée. De nuit, elle est très belle, mais le jour, nous savons l'image qu'elle a. Quoique nous ne sommes pas contre les prostituées, mais nous sommes contre la prostitution. Alléluia. Amen. Évidemment, le parfum, si tu ne le sais pas, je te le dis aujourd'hui, afin que les bouchons de tes oreilles soient levés, sont un piège pour ton âme. Parfum veut dire, spirituellement, partir en fumée. Alléluia. Partir en fumée. Et toutes les fois où tu te parfumes, c'est ton âme qui part en fumée. En fumée. Comment? En te parfumant, tu vas fragiliser ton âme. Alléluia. Alléluia. Tu seras frappé d'incrédulité. Oui, c'est la vérité. Alléluia. Tu seras frappé d'impudicité. Toutes les femmes dans le monde entier le savent. Et hier encore ou avant-hier, nous avons vécu l'expérience. Toutes les femmes qui ont assisté au premier séminaire l'ont témoigné. Lorsqu'un homme met un parfum de bonne odeur sur lui, elles ont envie de commettre l'impudicité avec lui. C'est ça. Elles ont envie de tomber dans la fornication avec lui. C'est comme bonjour, c'est comme bonsoir. C'est indéniable, c'est là. Comme aime le dit Dr Elie, c'est de là, là. C'est flagrant. Amen. Alléluia. Justement aime. Évidemment. Et évidemment. Et vice versa. Une femme qui met un bon senteur sur elle, tous les hommes ont envie de coucher avec elle. Mais pourquoi? Diantre, pourquoi est-ce qu'on a, lorsqu'on sent le parfum de quelqu'un, on a envie de tomber dans l'impudicité avec lui? Mais parce que derrière le parfum, il y a l'esprit de la séduction, il y a l'esprit de la débauche. D'ailleurs, on n'a qu'à regarder la plupart des publicités de parfum. Derrière, vous allez voir de la sensualité. Des femmes en deux pièces avec un gros piton à leur cou. Des hommes en tablette de chocolat, pardon, en boxeur. Hein, tablette de chocolat, muscles saillants, bien baraclés, avec le parfum sur le biceps. Pourquoi? Alléluia. On va voir une dame avec une robe noire sur un cheval blanc en train de manger une pomme. Pourquoi? On va voir des femmes dans les publicités de parfumerie avec un air de séduction, un air de provocation. Parce qu'effectivement, dans la parfumerie, il y a de la magie. Alléluia. Il y a la magie de la séduction. Amen. Toutes les prostituées le savent. Ici même en Afrique, en pays mandingue, dans le nord de l'Afrique de l'Ouest, les gens du nord le savent, les musulmans le savent. Ils utilisent les parfums pour envoûter les femmes. Ils utilisent les parfums pour envoûter les hommes. Ils utilisent les parfums pour attirer la chance ou la faveur. Ils utilisent les parfums pour briser les couples. Ils utilisent les parfums pour envoûter les gens. Alléluia. Aussi incroyable que cela soit, c'est la stricte vérité. Alléluia. Et dans les Saintes Écritures, le Seigneur n'a pas manqué de dire que les parfums étaient utilisés pour deux ou trois choses. Principalement pour lui rendre un culte. Gloire à Jésus, selon le livre d'Exode 30, versets 28 à 32. Amen. Alléluia. Hein, quelqu'un peut lire ça. C'était pour lui rendre un culte. Il avait interdit formellement qu'Israël utilise des parfums. Sans quoi, il allait les retrancher de sa nation. Alléluia. Deuxièmement, pendant qu'on cherche Exode 30, versets 28 à 32. Et deuxièmement,
Alléluia. Deuxièmement, la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Jean 3, verset, Jean 12, verset 3, 7. Exode 30, verset 28 à 32. Alléluia. L'autel des holocaustes et tous les ustensiles. Amen. La cuve et la base, et sa base. Tu sanctifieras ces choses. Amen. Et elles seront très saintes. Amen. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Alléluia. Tu oindras Aaron et ses fils. Amen. Et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Amen. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, voilà. Ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte. Amen. Parmi vos descendants. Alléluia. On n'en reprendra point sur le corps d'un homme. Amen. Vous n'en ferez point de semblable. Alléluia. Dans les mêmes proportions. Gloire à elle Jésus. Est sainte et vous la regarderez comme sainte. Continue encore. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Alléluia. Verset 34. À partir du verset 34. Il dit, l'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Prends des aromates. Prends des aromates. Du stacté. De l'ongle d'odorant. Du galbanum. Et de l'encens pur. En partie égale. Tu feras avec cela. Un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Ici, mon bien-aimé, le Seigneur est en train de nous dire que le parfum, c'est lui qui l'a instigé. C'est lui qui l'a inspiré au Lévite, au sacrificateur, afin de lui rendre un culte. Mais regardez ce qu'il dit après. Tu le réduiras en poudre. Alléluia. Et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation. Amen. Où je me rencontrerai avec toi. Amen. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable. Alléluia. Dans la bonne version, c'est le Seigneur interdit formellement même d'en fabriquer. Alléluia. Dans la même proportion, vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Alléluia. Quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. Voilà la conséquence. Voilà l'avertissement que le Seigneur Jésus donne. Amen. Donc, principalement, les parfums étaient utilisés pour rendre un culte à Dieu. Maintenant, deuxièmement, à quoi étaient utilisés les parfums? Selon Jean 12, verset 3 à 7. Lui, la parole de Dieu. Marie ayant pris un livre de parfum de nard pur de grand prix. Je veux rappeler à quelqu'un que Marie était une prostituée. Alléluia. Ce n'était pas une femme vertueuse. Or, au départ, selon le livre d'Exode 30, versets 34 à 38, le Seigneur interdisait formellement d'utiliser des parfums. Mais elle, étant prostituée, avait évidemment cette qualité-là. Allons-y. Oignit les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Alléluia. Amen. Amen. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus lui dit, « Laisse la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. » Alléluia. Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Le Seigneur Jésus savait que lors de son arrestation, ni les apôtres, tous ceux qui l'accompagnaient auraient eu le courage d'aller l'embaumer. Et c'est pourquoi il va pousser lui-même, Marie de Magdala, à le faire en prélude de sa mort. Amen. Évidemment, la sépulture, ici, c'est le tombeau. Il est en train de nous dire, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma mort. Toi qui te dis, enfant de Dieu, qui te parfume, tu te parfumes pourquoi? Pour ta mort? Est-ce que le Seigneur t'a demandé de te parfumer pour ta mort? Non. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, je veux te rappeler que, effectivement, même dans nos coutumes et dans nos cultures, les parfums sont utilisés pour embaumer les morts. Et je veux te rappeler quelque chose. Lorsque tu vas dans un magasin de parfumerie, il n'y a pas de rayon pour les vivants, ni de rayon pour les morts. Wow. Alléluia. Le même Gucci que tu mets sur toi, c'est le même Gucci qu'on met sur un mort. Le même amour à mort que tu mets sur toi, c'est le même amour à mort qu'on met sur toi. Le même, je ne sais pas moi, Cécada, Chanel, Sirène qu'on met sur, que tu mets sur toi, poison que tu mets sur toi, c'est le même qu'on met sur le cadavre. Il n'y a pas de différence. Et tout à l'heure, pasteur Jacques l'a signifié, hein, en parenthèse, les parfums ou les encens sont utilisés dans le monde culte. Pourquoi? Pour attirer les esprits. On le voit chez les marabouts, on le voit chez les féticheurs, on le voit à l'église catholique, on le voit chez les célestes, on le voit chez les haristes, on le voit dans bon nombre de sectes qui utilisent les parfums ou les encens pour attirer les esprits. Amen. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Tous les satanistes le savent. Gloire à Jésus. Je veux terminer pour dire que le Seigneur pouvait dire dans sa parole,
pour les uns odeur de vie et pour les autres odeur de mort. Alléluia. Toi qui mets les parfums dont le Seigneur interdit dans sa parole, tu les mets pourquoi? Il y a un palliatif. Si tu veux sentir bon ou si tu veux garder ton odeur naturelle, tu n'as qu'à utiliser des pierres d'arlin. Alléluia. Ou du bicarbonate de soude, mais pas le parfum. Alléluia. Nous allons nous arrêter là et nous allons donner nos contacts ainsi que le lieu où aura lieu la veillée ce soir. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Bien-aimé, toi tu as entendu. Tu as entendu cette, la parole de Dieu, la parole de vie. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alléluia. Alléluia. Il est temps. Bien-aimé, ce soir, nous t'invitons, oui, au stade. Nous t'invitons derrière, comme on appelle, au stade de l'école primaire. EPP, Awa 3. C'est à partir de 21h. C'est à partir de 21h. Alléluia. Nous t'invitons à venir à cette veillée. Bien-aimé, si tu as des préoccupations, toi, tu es malade. Toi, tu as des problèmes de l'œuvre, de la sorcellerie et tous ces détails. Nous t'invitons, bien-aimé. Invite tes parents, invite tes frères. Venez avec les malades, venez avec tout le monde. Jésus, il est le médecin par excellence. Il guérit encore aujourd'hui, bien-aimé. Et le Seigneur t'invite aujourd'hui à cette veillée. Venez avec vos parents, venez avec vos soeurs, venez avec vos frères. Alléluia. Alléluia. Je veux renchérir en disant, toi qui as des problèmes de mari de nuit, toi qui constates que tu manges la nuit dans tes rêves, toi qui constates que tu es poursuivi par des bœufs, par des reptiles, toi qui vois que tu te bats dans tes rêves, toi qui, le matin, lorsque tu te lèves, tu vois sur ton corps des traces comme si on t'avait battu ou griffé, alléluia, qui a des coups battus et tout ça, toi qui as des problèmes de maladie incurable, toi qui es malade, mais malgré que tu es allé à maintes reprises faire des examens, la médecine n'a pas pu déceler le mal, toi qui as des maladies héréditaires, toi qui as des maladies dont on ne comprend pas le sens, on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants, nous t'invitons. Comme l'homme de Dieu l'a si bien dit tout à l'heure, Jésus-Christ est le médecin par excellence. Alléluia. Alléluia. Jésus a encore la capacité de guérir, alléluia, de délivrer, de restaurer. Et donc toi qui es malade, toi qui as des problèmes d'ordre spirituel ou d'ordre médical, nous t'invitons à cette veillée de prière, de restauration, d'enseignement, de guérison, de délivrance, de baptême de feu, de baptême du Saint-Esprit, à venir assister à ce moment-là. Le baptême sera suivi en fin, c'est-à-dire à l'aube, la veillée sera suivie à l'aube d'un grand baptême. Tous ceux qui voudront confesser Christ en esprit, en vérité, seront plongés dans les eaux du baptême et baptisés au nom de Jésus. Et le dimanche, derrière EPP Awa 3, à l'église Jésus revient, nous allons organiser à partir de 9h un culte d'action de grâce suivi du repas du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous vous convions massivement à venir assister à ce merveilleux moment de restauration, de libération de la ville d'Azagué. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour sauver l'humanité, pour sauver Azagué. Alléluia, je veux vous dire quelque chose. Cette nuit, j'ai eu un songe, où dans le songe, j'avais demandé l'état spirituel d'Azagué. Le Seigneur m'a montré que la plupart des jeunes, la plupart des habitants d'Azagué sont comme dans des ténèbres, comme dans un labyrinthe. Et il leur est difficile de sortir, malgré l'intelligence, malgré les qualités que la jeunesse d'Azagué a, que les hommes d'Azagué ont, malgré les valeurs intrinsèques que vous avez. Il vous est difficile de vous en sortir. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, vous n'avez pas encore confessé Christ en esprit et en vérité. Bien-aimé, c'est le moment pour toi de venir faire la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Assurément, il va te restaurer. Je vais laisser la prière de la fin à l'homme de Dieu, au pasteur Jacques. Et juste après, nous allons nous retrouver à 21h sur l'espace du terrain Awa et Pépé Awa 3 pour la grande veillée de prière. Alléluia, dédiée au nom du Seigneur Jésus. J'aimerais encore rappeler que nos contacts sont les suivants. Merci. Le numéro du pasteur Jacques, 0707 777 392, que je répète, 0707 777 392. On a le numéro du docteur Elie, le 01 41 490 118, 01 43 490 118. Le numéro de l'apôtre Jean-Jacques, 05 74 02 36 09 05 74 023 609. Et ensuite enfin le numéro de l'apôtre Abraham, 2 x 01 402 632. Je répète, 2 x 01 402 632. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons terminer ce moment. Amen. Et tu vas prier là où tu es. Nous allons dire, Seigneur Jésus, nous venons ce soir te dire merci pour ce que tu as fait. Nous te prions de déchirer
le voile de la lourdeur, au nom de Jésus, le manteau des ténèbres, alléluia, qui a été mis pour envelopper toute la ville d'Azadier, de briser et d'ébranler tous les fondements et les mauvaises fondations, au nom de Jésus, qui retiennent en captivité cette ville, alléluia, et qui empêchent que les enfants de ce lieu puissent avancer et que les étoiles puisse briller dans leur vie par le nom de Jésus. Seigneur, nous te prions de faire descendre ton armée ce soir, afin de frapper la terre d'Azadier, de briser tous les autels, de déchirer et de détruire toutes les malédictions qui ont été prononcées sur toutes les familles. Le nom de Jésus. De briser les forêts et les arbres qui constituent les corridors qui retiennent les âmes des pauvres innocents. Le nom de Jésus. De délier ces âmes, de les libérer de la force de la captivité, de les ramener à la vie saine et sauve, et que Seigneur, tu puisses leur accorder de retrouver leur vie, leur vigueur, afin que par leur témoignage, ils témoignent que tu es vivant. Au nom de Jésus. C'est pourquoi, Père, nous te prions d'appeler et de visiter toutes les maisons d'Azadier, de faire sortir tes enfants, tes fils et tes filles, afin qu'ils viennent recevoir leur part de ta lumière, de ta présence et de ta bénédiction. Bénis, Éternel Père, ce moment. Bénis toutes les personnes qui entendent maintenant ce message. Transporte-les par ta puissance et la vertu du Saint-Esprit. Amen. Là où, Éternel Père, tu organises ton rassemblement afin de pouvoir apporter une bonne nouvelle à Amen. Ton peuple. Que le nom de l'Éternel soit béni et le peuple de Dieu répond Amen. 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 Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Allez, tout à l'heure, 21h à l'espace, EPP Awa 3, pour la grande veillée de prière, de repentance, de guérison, de délivrance, d'enseignement et aussi de baptême le samedi. Ce samedi. Ce samedi matin.